Bon matin à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 21 novembre 2022. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Alors, nous entamons de nouveau une semaine. Je pense que c'est la troisième semaine du mois de novembre. Donc nous continuons toujours dans l'oracle de l'énergie et on terminera avec le message de ton âme. Et avant toute chose, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. N'oubliez pas que tout passe par la pensée. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé victoire. C'est la réussite, n'est-ce pas, l'accomplissement, et je l'ai pigé à l'endroit. Alors on peut voir sur la carte une très belle illustration qui est un bel esprit, hein, qui tient une couronne dorée de la victoire en reconnaissance. D'un accomplissement. Pour certains d'entre vous, vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. C'est-à-dire que vous êtes fiers de vous. Vous vous êtes battu pour ce succès, pour avoir ce succès, pour accomplir ce que vous aviez en tête et puis ce que vous avez mis sur pied. Eh bien, aujourd'hui, c'est la réussite et c'est l'accomplissement, eh bien, de tout un processus que vous êtes arrivé à, faire et qui est arrivé au terme. Et cet accomplissement, eh bien, pourrait être lié à, ça peut être une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous récoltez, aujourd'hui vous récoltez, que ça soit donc extérieur ou intérieur. Extérieur, ça peut être au point de vue financier, au point de vue sentimental, au point de vue professionnel. Et intérieur, ça peut être un développement de soi, que vous avez entamé, eh bien, cette carte, elle vient vous inviter à savourer ce sentiment d'accomplissement. Mais elle vient aussi vous dire de ne pas vous reposer sur vos lauriers, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous avez accompli cet âge que voilà, hop, j'ai les doigts de pied en éventail, je ne fais plus rien. Non. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut entretenir. Vous savez, c'est comme une fleur. N'importe quelle fleur, si vous ne l'arrosez pas, elle se fane. Eh bien, ici, c'est pareil. Il faut entretenir, il faut arroser. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements. Mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouvert à la victoire sur tous les plans. C'est-à-dire que lorsque on parle de cela, il se pourrait que certains d'entre vous, eh bien, vous attendiez un triomphe extérieur. Et à la limite, qui apporte hein, ce grand changement. Mais il n'arrive pas parce que ça vient de l'extérieur, donc il y a un travail intérieur que vous devez faire. Donc il y a un travail encore intérieur à effectuer. Si vous attendez qu'un triomphe extérieur, n'oubliez pas que tout travail mérite salaire. Hein. Donc c'est à vous, n'est-ce pas ? À faire en sorte d'y arriver, de triompher et de ne pas vous reposer sur vos lauriers.
Et on vous dit évidemment avec cette carte qu'il faut vraiment maintenant vous ouvrir à cette victoire sur tous les plans. Parce que ce que vous avez mis sur pied, que ça soit intérieur ou extérieur, c'est une victoire. C'est une victoire sur tous les plans. Cela veut dire que psychologiquement, physiquement, vous allez vous sentir comme si vous aviez accompli une chose extraordinaire par le fruit de votre persévérance et le fruit de votre travail. Waouh, c'est quand même une belle carte aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si ça parle à quelques personnes qui écoutaient cette capsule, eh bien, c'est du pur bonheur. Alors pour aujourd'hui, l'affirmation, j'accomplis des choses formidables en moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. Et bien voilà pour le message d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je peux mettre en lumière? Eh bien, c'est votre réussite, votre perspicacité, le fruit de votre travail, l'accomplissement que vous avez fait. Vous avez eu, pour arriver à cela, beaucoup d'embûches, mais regardez un petit peu où vous êtes là maintenant. Encore une fois, ça peut être matériel, ça peut être extérieur, mais ça peut être intérieur aussi, n'est-ce pas? Vous savez, le travail sur soi, c'est un accomplissement lorsque on travaille pendant des jours, des semaines, des mois, des années, pour devenir une meilleure personne. Eh bien, aujourd'hui, c'est la réussite. Vous y êtes arrivé, mais n'oubliez pas, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Je terminerai avec voilà, le message de ton âme. Et là, je vais piger une carte. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assaillir. Comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc ça, c'est le message de ton âme. Vous voyez, quand je dis « ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde », c'est tout à fait normal, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment ou certaines choses, et c'est à différents moments. Donc peut-être, voilà, pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas protégé. Donc voilà, ça c'est le message de ton âme, donc de votre âme pour certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.